Est-ce que vous avez le jeu? Oui. West Grove. Je sais plus si on l'a fait. Si jamais vous reconnaissez le jeu, n'hésitez pas à me dire. Des bisous, Link. Je sais qu'on en a fait plusieurs de Spring Rabbit, qui étaient vraiment pas mal, d'ailleurs. Donc, ces jeux rétro, VHS, etc. Par contre, je sais plus si celui-là, exactement, on l'a fait. Donc, je vais lancer. Et on verra bien. Croisons les doigts pour qu'on l'ait pas déjà fait. Starting operating system. Bip, bip. Je ne pense pas que c'était une mauvaise idée. John a mentionné un boulot où fallait aller vers un endroit de travail, vers West Grove, une petite ville. Depuis l'accident, je galère à trouver du boulot et puis les factures s'enchaînent. Je sais que j'en ai besoin. S'il te plaît, prends soin de mes enfants. Je serai bientôt de retour. En gros. C'est mon arrêt. Je crois qu'on l'a déjà fait. Je crois qu'on l'a déjà fait, ce jeu. Genre, j'ai vu le bus, j'ai fait. Je crois qu'on l'a déjà fait. Effectivement. Ça me dit quelque chose. Je vais attendre 5 minutes de plus au cas où, mais... ça doit être l'endroit, j'ai juste besoin de savoir comment on rentre. C'est fermé. C'est pas... Parce que là... Ouais, moi aussi, le paysage me dit un truc. C'est pas on va dans les bois, il y a un petit chemin, il y a un épouvantail. Si c'est ça, c'est qu'on l'a fait. Hein. Ah, j'ai trouvé un moyen. On dirait que quelqu'un a trouvé un moyen de rentrer. Je crois qu'on l'a fait. À quoi qu'on n'allait pas camper? Voilà, ils ont utilisé la même map. Je crois qu'il était par là, l'épouvantail. Est-ce qu'ils ont recyclé une de leurs maps? J'en sais rien. J'ai un gros doute. Ah, la porte est là, d'accord. Ouah! J'avais l'impression que l'arbre était en train de me manger, quoi. Je me demande s'il n'y avait pas déjà ce bug, d'ailleurs, la dernière fois. Effectivement. Une petite musique. Moi, j'ai pas vu d'épouvantail, donc c'est peut-être pas le même jeu. Mais il y a moyen que ça soit la même map. Hein. Putain, je marche si vite. Du coup, c'est quoi comme boulot qu'on fait? On sait pas. Hein. C'est fermé. Si je vois quelque chose... Ah, il voit quelque chose dans le keyhole. Ah, attends. C'est fermé. Ok, bon, je peux pas revoir. Chut. Ta petite musique toute calme, toute douce. Ah. On est bien là. Mais oui, l'autre jeu, on allait faire du camping. On posait notre tente, je crois. Et après, il y avait une secte et tout. Je sais pas si ça vous parle. Ah mince, je peux pas aller plus loin. Fence. Ah oui, je peux pas aller plus loin. Bah oui, non. Effectivement. Mince, ai-je déjà loupé quelque chose du coup? Je pense que c'est un bon endroit pour installer mon camp. Merde, j'arrive pas à savoir si c'est le même jeu ou pas. Ok, j'espère que j'ai rien oublié. On dirait que quelqu'un a enterré la... Enfin, est sur la radio. Excusez-moi. W6D26, c'est John, est-ce que vous me recevez? Je m'appelle Kirk. Kirk. Vache. Ouais, ton signal est bon. Les choses se passent. Ah bien, j'ai trouvé mon endroit pour poser mon camp. Cool, c'est un boulot tranquille, ça va être facile pour toi. Tu devrais plus être très loin maintenant, je pense que tu peux voir ma tour de guet de là où t'es.
Ah oui, je la vois de ce côté-là. Bien fais attention qu'il n'y ait pas des vandales qui le cassent. Parce qu'ils peuvent être... Enfin, oui, ils sont désarmés, mais c'est des gosses stupides. Ok. Juste fais ton boulot. Enlève les graffitis. Ah, ok, je nettoie les graffitis. Et puis les autres merdes qu'auraient pu laisser les gosses. Ok. Te laisse pas avoir par les blagues stupides. Tu peux commencer par la main factory. Ok, ouais, le bâtiment est complètement effondré, donc t'as pas besoin d'y rentrer. Personne n'est venu ici depuis très longtemps. Du coup, prends toutes les merdes que tu peux voir. Et essaye de pas en louper. Son employé viendront checker tout ça et te payeront. Je pense que c'est tout. Je suis sur la fréquence si tu as besoin de quoi que ce soit. Ok, merci. Ok, je ferais mieux de sortir mon... Ma éponge? C'est quoi ma éponge? Mon éponge? Non, c'est pas ça. De mon sac et ma flashlight avant de partir. Ah bah si, mon éponge pour nettoyer, bah si, c'est ça. Pourquoi il a besoin d'une éponge? Bah oui. Ah oui, c'est vraiment l'éponge pour faire la vaisselle, quoi. Je m'attendais à une grosse éponge industrielle, mais... Alors, vers le main entrance, c'est le bâtiment qu'on a vu là-bas, ou... Ah non, mais de toute façon, c'est forcément en arrière. Bon, bah non, je suis formel, on l'a pas fait. Ça commençait exactement quand même comme l'autre jeu, le bus, la tente et tout. Mais enlever des graffitis, là, ça me dit rien. Alors ça, on peut nettoyer, du coup. Non? C'est pas ça, du coup. Par contre, j'ai pas vu sa tour de contrôle, je sais pas quoi. D'où il me parlait. Ah, mais il y a un tunnel là. Ah non, je peux pas rentrer dedans. Oh, je suis déçu. Ah, il y a quelque chose sur le chemin. Une clé. C'est fermé. Oui, mais j'ai une grosse clé, tu veux pas l'utiliser? Non? Tout est sûr, hein? Oh, la musique est si calme. Poète, 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 poète. Poète. Coucou Mélie, ça va bien et toi? J'ai répondu à ton dernier message ou pas? Il me semble que oui. Ou alors j'ai encore oublié. Non, je crois que je t'ai répondu. Je crois que c'est toi qui m'as pas répondu. Ah, je suis désolé, je mets un peu de temps pour répondre aussi. Ça doit être là. Coucou Warred, tu vas bien? On va refaire du Lethal Company Warred. Hein. Donc si jamais tu voudras te joindre à nous. Un pentagramme. Je pensais que les enfants seraient plus créatifs. Je vais nettoyer ça avant d'en rentrer dans l'usine. J'ai besoin de mon éponge. Mais oui, mais où est mon éponge? Je l'avais dans la main tout à l'heure. Allez. Pouit! Allez, un petit coup de gratte-gratte et c'est bon. Mais bon, ça part bien l'éponge. Hein. J'ai mal à l'épaule et je viens de faire. Oh, bah non, faut pas dire ça. Pourquoi ça s'est mal passé? T'as eu des mal autrui? Courage pour ton épaule en tout cas. Ouah, je vois rien du tout. Alors je l'ai pas ouvert ton message Warren, mais je l'ai vu, ouais. En fait, je l'ai pas ouvert pour pas l'oublier. Ça m'arrive de faire ça des fois. Mais c'est gentil en tout cas. Mais oui, je regarderai pour les modes. On voit rien. Attends, j'ai pas. Ah si, mais j'ai une lampe, j'ai une lampe. J'ai une lampe. Attends, attends, attends. Je vois rien. I have to finish my job. Ouais, mais je vois rien! Ma lampe, elle est sur quel bouton? Attends, mais là, le jeu. Lol. Ah, c'est bon. La panique. Ah, mais je vois rien! C'est fermé depuis l'autre côté. Est-ce que je peux voir quelque chose à travers le trou de serrure? Il a l'air d'avoir un. C'est marrant qu'on puisse regarder dans la trousse serrure. Dans la trousse serrure. Comme ça. Bloqué pendant 1 heure parce que je sais pas quoi faire. Et personne sur mon stream. Ah oh, merde.
Je suis désolé. Bon, après, c'est ça. Malheureusement, ça y est, des jours. Hein. Ça va, ça vieillit. Et c'était quoi le jeu que tu faisais? Jeu d'horreur ou rien à voir? Est-ce que je peux me cacher? Non. Des débris. Des débris qui bloquent le chemin. Sans décoller. Ça, c'est un strumon. Est-ce que c'est le strumon de tout à l'heure? Ah, The Coma, ouais. The Coma. Il est cool, hein, mais c'est vrai que oui, il y a des moments c'était un peu galère. Effectivement, je comprends. C'est fermé. Peut-être que je peux voir à travers le trou de serrure. Il y a un chemin, ok. Et à un moment donné, on va voir un truc, on va plus s'y attendre. Je le sens bien. Oulala. Alors ça, c'est vraiment la porte où faut pas aller, quoi. Ça pue du cul, ça. Un vieux journal. Alors, la ville de Derryfield is teetering on the brink of bankruptcy. Ah, j'ai rien compris à cette phrase, c'est bien. Donc, il y a pas mal de gens qui ont décidé de bouger. Il y a eu des phénomènes qui ont attiré l'attention des statisticiennes. Ouais. Et démographes. Ok. Pinpointing. Ok, donc ils essaient de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a causé ça. Alors je sais pas de quoi on parle, mais. Ça pourrait être une myriade de facteurs différents qui seraient causés soit par l'infrastructure, soit par les services publics. Et du coup, il parle du futur de la ville. Parce que sinon, elle deviendra bientôt une ville fantôme. Ok. On interview le maire Frank Barnes. Je regardais une vidéo YouTube pour débloquer. Non, mais je comprends. Je comprends. Ah. J'ai une clé. Quelque chose bloque la porte. Ouais, non, mais il faut pas y aller. Hein. Qu'est-ce que je peux voir à travers le trou de serrure? Ok. Non, mais c'est bien que c'est bloqué. Je pense que c'est cette planche qui bloque la porte. C'est bloqué. Je peux pas l'enlever avec mes mains. Ok, il va me falloir autre chose. J'ai compris. Ah, mais il y a des jours avec, il y a des jours sans. Non, mais c'est sans. Ah, fuck. Il y a du bruit. Rope. Ah, il y a une corde. C'est fermé avec une corde. Ah, je peux pas l'enlever comme ça. Ah, mais non! Y'a pas un petit couteau par là? Oh, j'ai un marteau! Si j'avais un marteau! Pouloulouloulou. Ah bah, je peux peut-être enlever la planche avec le marteau. Mais le mec m'avait pas dit de pas rentrer dans l'usine. Il veut faire un peu trop son boulot, hein. Pouf. 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 Ok. J'y mettrai tout mon cœur. Puis pourquoi il y a des bougies allumées? On dirait que quelqu'un était là récemment. Bah oui, je ferais mieux d'être sur mes gardes. Bah oui, je ferais mieux de me barrer, ouais, surtout. C'est fermé. Je pense que je peux l'ouvrir. If I lift the door somehow. Ouais, je tire la porte. Oh, j'ai un lighter. Ok, on récupère masse truc. Comment je l'ai fait défiler? Ok. Je sais pas ce que je vais faire avec mon lighter. En fait. Ah, pour la corde. Bah oui, je suis bête. Pouit. Petit incendie. Hop.
Metal Pipe. Avec ça, est-ce qu'on va arriver à ouvrir la porte? Moustache. Ah non, il n'y a pas la moustache. Bah, la moustache, elle marche plus. Ah, la moustache. Bah, monsieur, la moustache. Faut vraiment que je vous répare les boutons, hein. Je suis désolé, hein. Je vous promets qu'à un moment donné, je vais trouver du temps pour m'en occuper. Ah mais d'accord, elle s'ouvre comme ça. Oula, mais moi, je passe pas en dessous, hein. C'est un coup à se retrouver bloqué. Ah mais d'accord. Je pensais que ça allait rester en l'air. Oulala. Oulala. Mais on va beaucoup trop loin. Cet endroit est en train de s'effondrer. Je sais pas pourquoi ils s'en foutent. Je ferais mieux d'enlever tous les graffitis et de vite sortir d'ici. Mais non, mais si ça s'effondre, tu rentres pas là. Sois pas bête. Il y a des débris. Ah, on est ressorti dehors. Mais du coup, je suis ressorti. Bah mince, oui, je suis complètement ressorti du coup. Oui, mon paquet de cigarettes. Oh non. Mais non. Mais non. Tu vas pas me dire que tu vas y retourner juste pour ton paquet de cigarettes. Tu vas t'en remettre. C'est pas grave. Tu retournes pas. Je suis sûr que je l'ai laissé dans ma poche. J'ai dû le faire tomber. Ah, l'arrêt de bus. Ah, c'est trop loin. Je pense que je m'arrêterai à... I think I can stop. Je pense que je m'arrêterai. Je ferai une pause avant d'aller à mon camp. Ah, les clopes. Non, mais j'ai cru qu'il allait retourner là-bas, quoi. Mais du coup, je retourne à l'arrêt de bus, j'ai pas compris. Oula, il y a un mur, il est apparu un peu. Est-ce que j'ai pris le mauvais chemin? Je suis pourtant sûr que c'est ce chemin-là. Comment ces murs sont arrivés ici? On dirait qu'il y a des papiers dessus. Des gens disparus. Hein. Missing person. 16 ans, Ellen Baker. Qui a disparu il y a 3 mois. Ah, on a trouvé sa robe. Qui était dans la forêt. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a une autre personne qui est disparue. Thomas Lewis, qui a disparu aussi. Henri Simon, 13 ans. C'est que des gosses. Ah, il y a juste une photo, le texte n'est pas lisible. Donc, ok, le chemin a disparu. J'ai un mur qui a pop à la place, quoi. J'ai dû le louper. Je ferais mieux d'essayer de retrouver mon chemin vers le camp. Il commence à faire sombre. Me dit quelque chose ce jeu. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont fait un autre jeu. Les mêmes devs, hein. Avec la même map et tout, en fait. Parce que moi aussi, je me suis dit, putain, mais ça me dit grave quelque chose. Mais le coup d'aller enlever les graffitis, ça me dit rien du tout, par contre, donc... Ou alors c'est le même jeu et ils l'ont mis à jour. Peut-être. Si quelqu'un se sent d'aller taper West Groove sur ma chaîne YouTube pour vérifier. Mais il n'y avait pas un autre chemin, t'es là? Oui, effectivement, j'aurais dû arriver au camp, non? Eh ben c'est ouvert maintenant ici. C'est quoi ça? Stick? Stick de quoi? Je suis sincèrement désolé pour l'inconvénient de ne pas avoir été là pour votre arrivée. Ah, il y a des attaques d'ours. What? Ok, il y a des équipements. Ok, on a installé des pièges à ours. Oh, super, c'est rassurant. Je vais m'en prendre un. Désolé pour le dérangement et tout.
Il est sur ta chaîne YouTube. Ah bah ça doit être ça alors. Donc on a effectivement bien déjà fait le jeu. Mais les graffitis, je pense qu'ils l'ont rajouté. Toute la partie avec les graffitis, parce que ça me dit rien du tout. On ira vérifier ensemble avant que j'arrête le live. Je me disais bien que l'arrêt de bus, ça me disait trop quelque chose quand même. Du coup, je mets quoi? Je mets ça autour de mon camp. Quand je serai de retour au camp, je ferais mieux d'allumer mon feu et d'aller dans ma tente. Et du coup, je fais quoi de mes pics? J'en fais rien du tout. Ah non, mais c'est pour faire mon feu, ça. Je dis n'importe quoi. J'en mets quoi de pics? Je pensais que c'était pour l'ours, moi. Mon briquet. Piche. Ah, je suis fatiguée. Je vais me poser dans la tente. Mouiou. Je vais me faire attaquer par un ours. On entend une radio. Quelle heure il est? Il fait encore nuit. Ah, ça doit être mon insomnie encore. Ah, il me semblait bien. John? Est-ce que tu m'entends? Hello? Ah, c'est probablement juste des interférences. Ah, j'ai faim, je ferais mieux de manger quelque chose. Je dois avoir mon repas dans mon sac. Mais pourquoi on dort ici en plein milieu de la forêt, quoi? À l'aide. Bah, mange. J'ai pas de micro-ondes, hein, donc tu peux y aller. Hein. Pour aller retourner dans ma tente. Comment je mange? Comment on fait pour manger? Ah, ok. Ah, oh, je vais me faire mon... Oh, je vais me faire une petite tartine de beurre de cacahuète. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, les, un de ces foutus gamins a dû tomber dans un piège à ours. C'est horrible, en vrai, si c'est ça. Je ferais mieux d'aller voir. Quelle mauvaise idée. Je sais pas où c'était, en plus. Ah bah, c'est forcément de l'autre côté, parce que s'il y a rien, je crois. Quoi, bim? Quelqu'un a coupé le grillage. Comment j'ai fait pour pas l'entendre? Ah, les arbres, là, chez moi. Eh mais regardez, il y a le... Il y a le... l'épouvantail dont je parlais tout à l'heure. C'est peut-être exactement le même jeu. Je vais aller regarder après. C'est un lapin adulte, c'est ça. Ouais, mais il y a une maison et tout ici. C'est un vrai chemin ou pas? J'ai un peu du mal à voir. Ouais, je crois. Une maison? Ah oui, putain, elle était bien cachée. Oh la végétation, genre, me grimpe dessus, c'est très bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? What the fuck? Qu'est-ce qu'ils font, les gars, les gosses? Je ferais bien de prévenir qu'ils ont coupé le truc. Le machin. Faudrait mieux que je check ce qui s'est passé. Peut-être que c'est rien de sérieux. Oula. Pas besoin d'y toucher. On va juste checker le bruit. C'est rouillé. Il y a quelqu'un derrière ce mur. Est-ce que ça va? Vous ferez mieux sortir d'ici. Ok, il n'y a pas de truc que je peux pousser avec mes mains. Faut que je trouve un moyen de passer le mur. Il doit y avoir un bouton quelque part. Hein. Je dois voir le film Sans un bruit 2. J'ai un extrait justement avec quelqu'un qui se prend un piège à ours. À ours, effectivement, ça pique. Mais tu peux pas t'en sortir tout seul d'un piège à ours. Je pense que à main nue, c'est trop puissant. Genre t'es foutu quoi. Find a way. Alors attends, j'ai rien sur moi là pour... J'ai une éponge avec le marteau? Non. Non, c'est débile. Non, il doit y avoir un bouton je pense. Après j'ai le briquet.
Voilà, c'est tout. Bah t'as changé de jeu, bah ouais j'ai fini du coup. Je crois que j'ai fini en moins d'une heure quoi. Ah bah oui, par là. Et j'ai toujours pas vu sans un bruit d'eux moi aussi. J'ai un peu oublié de le voir. Padlock. Pète-le. Pif. Paf. Pouf. Du coup on joue à un jeu de Spring Rabbit qui font des jeux pas trop trop mal aussi. Ok, c'est ouvert. Coucou Astagad. Ça t'a plu le jeu, l'ordine. Je sais déjà ce que tu vas dire, mais. c'est vide. Et ça, c'est, voilà, c'est, ça tombe en morceaux. Qui. Qui si deren calizum semidiment in terra infernum. Animam menno ferro. Peccato mi ad vitam liberam sin vinculus quibus me digaris aperio. C'est, ça a pas l'air bon, hein. Ça a pas l'air génial. Je comprends pas le latin, mais ça a pas l'air génial. Ah, j'ai un truc. Une vieille horloge, ça ne marche pas. Comparé à son précédent jeu, ça s'améliore. Il avait fait quoi comme jeu? Apéro. Par contre, le prix, la vache. Ouais, c'est ce que j'ai dit, moi aussi, j'ai dit bon, il y a pire, mais bon, il y a forcément mieux. Je regarde dans le keyhole. Ok. Backroom 1998. Ah, mais c'est lui qui a fait Backroom 1998 ? Le truc avec le micro aussi, et le monstre. Ah, ça fait un peu sens du coup, ok. Ok. Et du coup, il aime bien les micros. Mais c'est dommage, le micro était moins... Genre le coup d'appeler le chien et tout. Ça, c'est dommage parce que ça apportait pas grand-chose. ça me stresse à chaque fois de regarder dans les trous de serrure. Coucou Anaïs. Je viens de te découvrir il y a plusieurs mois. Je me suis abonné avec joie. J'adore ta bonne humeur et ta gentillesse. Et surtout tes vidéos. Merci beaucoup Anaïs, c'est super gentil. C'est adorable et merci de le dire. Ça fait super plaisir. Et bienvenue à toi du coup. Qu'est-ce que je fais avec mon cintre? Ça va pas me permettre de passer le mur. Ah si. What the fuck? Hein? What? Alors j'ai pas bien compris là, mais ok. Et y a personne. What? C'est vide. Quel sort d'endroit c'est? Je ferais mieux de vite dégager. Attends, j'ai un screwdriver et un vieux papier. Je suis ici depuis des jours, personne n'est venu me voir. Je l'ai entendu se. I hear him shouting to himself. Oui, je l'ai entendu se tirer dessus. Je pense qu'il est fou. J'ai couru super vite. J'ai entendu Ralph qui m'appelait. Mais c'était le truc là, le Square Crow. Ah, j'ai plus le nom en français. Le machin qui fait peur là. Je pense qu'il peut voir à travers ses yeux. J'essaie de trouver un chemin vers la ville, mais la forêt a l'air différent à chaque minute et la nuit a l'air de pas s'arrêter. Je me suis enfermée ici parce que j'ai réussi à m'échapper du basement. J'ai trouvé ce screwdriver derrière la maison. C'est mon seul espoir pour sortir d'ici vivant. Il a dit que tout était bientôt prêt. L'épouvantail, merci. Picture, qu'est-ce que c'est? Ah mais oui, mais ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que je fais avec mon screwdriver? Il n'y avait rien que je pouvais faire avec le screwdriver, non? Ça ne va à rien, sous le chien, tu le trouves après avoir trouvé les objets. Bah ouais, c'est un peu dommage. Par contre, la fin avec le chien est sympa. Bon, ça fait très Lost in Vivo, hein. Mais ça, c'est quand même sympa. C'est fermé. Ouais, bon, bah je sors alors. Ah bah non. Bah du coup, on sort pas. Pas si c'est une bonne idée, mais. La porte ne s'ouvre pas, ça doit être rouillé. Bon, je sais pas si c'est le bon mot rouillé, mais.
J'aime pas du tout regarder dans les tons de serrure, ça me stresse. Il se passe rien, mais c'est ça qui me stresse, en fait. Manu Blueberry, des bisous. Waouh. Mon œil a ouvert la porte. Alors, la population de Derisfield a été mise à jour. Revealing a strategy... Ah, du coup, ils renomment la ville de Derisfield en West Grove pour essayer de re-attirer des nouveaux résidents et touristes. Mais par contre, j'ai pas compris ce qui s'était passé dans la ville de base. C'est devenu une ville fantôme, mais j'ai pas bien compris pourquoi. Parce qu'il se passait des choses bizarres, sûrement. C'est fermé. Ah, c'était sûr. Mais what the fuck? Oh putain, je pense pas. Oui, c'est logique, mais je pensais pas qu'il allait arriver aussi vite. Mion. Putain, comment je cours vite. Mion. La porte. Carsos. Ah non, j'ai pas pris le bon chemin. Oh putain, je sais pas où je vais. Ah. Attendez, mais c'est quoi le chemin? Ah, c'est là. Avec mon tournevis à la main, là. Il sert à quoi, mon tournevis? Ah, le bruit qui s'arrête pas. Ah, c'est bon. Ah, pardon. Fais gaffe, faut que je te tournevis la gueule, toi. Ok, je suis retourné à ma tante. Ah, ma tante. Ah, bah bonjour, messieurs. Ça va? Bien? Ils sont vachement grands, non? Je peux pas bouger. Merde, le jeu a bugué. Je retourne en arrière. Ouais. Ce cri derrière. Ce cri. Ok. Mais du coup, je suis curieux, on va aller voir je vais aller voir tout de suite après là avec vous, savoir si j'ai fait exactement le même jeu qu'il y a plusieurs mois, et que en fait j'ai juste pas de mémoire, ou si le jeu a été mis à jour, parce que les trucs des graffitis et tout, ça me disait rien du tout. Le menu de... Voilà, ça casse au quatrième mur en mode... Voilà, vous avez deux Nao pour le prix d'une. Lance un jeu. Okay. Ah, déjà ça, dans la maison, on l'a pas eu au début. Ouais, on va tourner un... On était direct dans le bus. Voilà, le bus, je me disais bien que ça faisait quelque chose. Je vous invite. Après, on passait le chemin. Sur Game Boy, non. Les omni-objets, mais je peux pas m'y faire. La réception. Il me semblait qu'on le voyait direct, le... Ah, il commence à faire son... Là, je pose mon campement, donc ça, c'est pareil. On fait le feu, mais du coup il n'y a pas toute la partie, je crois, dans le bâtiment. Juste pour... sans mes cigarettes. Il y a encore le délire les des cigarettes. Arrêté, sur... Il y a les arbres qui m'agressent, ça c'est pareil. Avec le, donc, le square crow qu'on vient de voir. Le chemin qui avait disparu. Mais je peux tous les lire en fait. C'est pas dans un jeu. Est-ce qu'il y a aussi le petit bâtiment ou pas? Oui. Ah, non, on retourne à notre camp direct. En pleine nuit, là? Un petit live, bah j'arrive pas. Ah enfin, si, il y a le petit bâtiment. Hein, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le même? Ah, intéressant. Ça a l'air d'être le même, effectivement. Un matelas, ça a l'air... C'est dur de voir quoi que ce soit. On fait la même chose. Oh, j'ai trouvé un passage secret. Le... Donc effectivement c'est bel et bien le même jeu. Je suppose qu'il y a le même truc avec l'œil et tout, non? Non. Mais ils ont bien rajouté une partie en plus, quoi. Non. Attends, j'ai pas vu le truc avec l'œil. Ah oui. Joyeusement. So, hide the Wednesday. Et du coup ça se termine pareil, je suppose.